Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, et comme pour les autres signes astrologiques, je vais le dire dans toutes les vidéos, merci à tous, merci pour tous vos likes, vos commentaires, pour le soutien que vous apportez à cette chaîne parce qu'elle a vraiment grandi de façon exponentielle. Ok, on n'est pas à 10 000 abonnés, je sais, bah, je suis sur YouTube, voilà. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à un tel engouement et ça me fait extrêmement plaisir. Sachant que je fais ça à côté de mon travail. J'ai un travail à temps plein et à côté, je fais du YouTube. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas, continuez à soutenir cette chaîne parce que j'ai plein d'idées de tournage. J'ai plein de vidéos en tête. Je vais vraiment carburer là au mois d'octobre et novembre, vous allez voir, jusqu'à la fin de l'année. Ça va être génial. Donc, pour soutenir la chaîne, c'est liker, commenter, partager, évidemment. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Mais vous pouvez aussi me faire un petit don. Donc, du coup, dans la barre de description, j'ai mis un lien. Tout est expliqué. Je voulais aussi vous annoncer que depuis peu, suite à de nombreuses demandes, voilà, tout m'a demandé, je ne répondais pas aux demandes. Je fais maintenant des guidances personnalisées. Donc, vraiment spécifiques à vous. Hein. Là, on fait des tirages généraux. Donc, je fais des guidances personnalisées. Donc je me déplace à Strasbourg le 7 octobre au Compote Café. Si vous ne connaissez pas, c'est un espace de coworking vraiment merveilleux. Bisous à tous ceux des Compotes. Donc merci aussi de m'accueillir dans le cadre de cette guidance. Hein. Donc du coup, il y a des places, vous pouvez réserver. Pareil, j'ai mis en lien le lien dans la barre de description. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je ferai aussi des guidances par mail. Donc écrivez-moi à saptaromancie@gmail.com et je mettrai toutes les informations, je vous transmettrai toutes les informations pour des guidances personnalisées. Alors, je rappelle que là, c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il faut toujours faire preuve de discernement. Voilà, le disclaimer habituel. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour les... Voilà, introduction finie. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages mensuels par signe astrologique. Vous voyez, grâce à votre soutien, j'ai pu m'acheter de nouvelles cartes. Donc là, j'ai acheté des cartes astrologie. Et je vais utiliser, comme le mois dernier, le Wisdog Tarot pour les énergies général, le Tarot Villeneuve pour les énergies professionnelles et le Phonabel pour les énergies sentimentales. Et j'ajouterai un dernier petit message avec la voyance cash de Joe par Yena. Du coup, alors, on commence tout de suite. Je vous invite aussi à regarder vos signes lunaires et ascendants pour avoir des compléments d'informations. Ok, alors, aucune carte ne veut tomber. Est-ce qu'on va choisir? Alors, on va choisir. Poisson. Eh bien, écoutez, les signes d'eau avaient envie de s'exprimer. Hein. Ça y est, j'ai fait tous les tirages de tous les signes d'eau. Il y a juste le Gémeaux. Voilà, j'ai fait Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, bonjour les poissons, mes petits préférés. Voilà, vous n'êtes pas très nombreux, mais je vous chouchoute parce que j'adore les poissons. Voilà, c'est tout. Ça, c'est dit, petite déclaration d'amour. On commence tout de suite. Alors, je vais mettre en barre de description... la minuterie pour les tirages, mais je vous invite quand même à regarder la vidéo en entier parce que je fais souvent des parallèles entre eux. Alors, pour les poissons, The Dreamer, ah, elle est tellement belle cette carte, non mais regardez, il est vraiment magnifique. Je mets pareil en lien de description, ça je ne l'ai pas toujours dit, mais vous le savez, les références de mes tarots et oracles. Et là, c'est Astrocard, vraiment magnifique. Hein. Genre, il y a beaucoup de cartes astrologiques, voilà, mais celui-là, il est vraiment magnifique parce qu'il y a les signes astrologiques, il y a les planètes, et il y a aussi les conjonctures, les maisons. Enfin, c'est vraiment, si vous voulez étudier l'astrologie, c'est parfait. Alors, je suis vraiment passionnée d'astrologie, mais je me considère vraiment comme une ultra-novice. C'est tellement compliqué comme matière, mais voilà. Donc regardez les planètes, l'alignement des astres pour le mois d'octobre, ça c'est super important, c'est toujours en complément de mes tirages, je trouve. Donc, oh bah écoutez, on va faire le Phonabel, hein, parce que voilà, c'était comme ça. Bon, les poissons, les poissons, d'abord l'aspect sentimental, voilà, on va juste inverser, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça. Voilà, donc moi je brasse devant vous, hein. Vous pouvez regarder la vidéo en accéléré, ça ne me dérange absolument pas, je vous le conseille même, je le fais même pour mes propres vidéos, quand je les revois je les mets en accéléré parce que sinon je m'en sors plus, vous comprenez bien. Alors, allez, des aspects professionnels pour les poissons, pour votre mois d'octobre 2023, alors hop hop hop,
Attendez, non. Non, non, moi j'en veux 3, mais pas 3 comme ça. Hein. Alors, aspect professionnel pour les poissons au mois d'octobre. Les poissons. Si vous connaissez des poissons, si votre signe ascendant lunaire, c'est les poissons, enfin vraiment, n'hésitez pas. Moi, je. Mais écoutez, c'est arrivé comme ça. Je vous adore trop, trop, trop. Vous êtes l'un de mes signes préférés et vous n'êtes pas très nombreux sur ma chaîne. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça. Mais pas beaucoup de signes d'eau. Hein. Les plus représentatifs de ma chaîne. Pour le signe de terre, on a les capris. Ça, les capris, hein, voilà. Pour les signes d'eau, on a les cancers qui sont très, très présents. Et pour les signes d'air, on a les Verseaux. Voilà, donc ça, c'est les 3 signes majoritaires sur ma chaîne. Mais je ne suis pas exclusive. Hein. Et même à un moment donné, j'ai pensé à faire une chaîne exclusive Capricorne. Mais non, je n'ai pas envie, ça serait dommage. Et voilà, moi, je m'adresse au plus grand nombre. C'est pour ça que je fais des tirages mensuels avec tous les signes. Hein. Même si certains signes sont moins présents, voilà, je continue à le faire. Hein, c'est important pour moi. Et j'ai fait aussi des tirages intemporels parce que vraiment, moi, j'ai pas de public cible. C'est peut-être pour ça que ça évolue lentement, mais sûrement. J'ai pas de public cible et j'ai pas envie d'en avoir. Moi, je veux vraiment m'adresser au plus grand nombre, même si c'est pas la meilleure stratégie sur YouTube. On est d'accord. Alors, pour vos énergies générales, on a l'empereur, le roi de bâton et le 9 de denier. Ok. Ok, 9 de denier, oui, 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 c'est... On a accumulé pas mal de richesses, mais on hésite encore à la distribuer. Là, c'est exactement ce que je vois. Je sais plus si c'est ça, mais là, c'est vraiment ça. Hein, parce que, vous voyez, il y a le faucon à côté du chien. Est-ce que j'envoie le faucon voyageur? Est-ce que je distribue mon argent ou pas? Ou est-ce que je le garde? On ne sait jamais. J'ai l'impression que là, vous êtes dans l'idée de « on va garder ». On va garder, on n'est jamais trop prudent. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux chiens sont très beaux. Hein. J'ai l'impression que c'est un border collie et un doberman. Magnifique, très belle race de chien. J'ai l'impression que ces deux toutous là, ils gardent leur truc, ils sont assis, donc déjà en position de stabilité, calme, donc un mois assez calme, et avec, on a ce qu'on a acquis les mois derniers, on va le garder là pour nous là. Vous voyez, le roi de bâton, il garde son bâton là auprès de lui, l'empereur, il garde la pomme dorée, enfin... D'habitude, c'est des personnages qui sont un peu plus dans l'expression, mais là, j'ai l'impression que c'est plus je sais où je vais, je décide, et voilà, c'est comme ça et pas autrement. Si je dois parler, je parlerai pour expliquer, mais c'est pas concernant ce que vous allez faire au mois d'octobre. Là, les poissons, vous allez être assez secret. Ça me fait vachement penser au cancer qui était aussi très secret pour ce mois d'octobre. Globalement, c'est un mois assez introspectif. Regardez peut-être les astres pour les poissons. Du coup, ouais, très secret. Mais pas à plaindre, hein. Vraiment. Vous avez 3 personnages, comme je vous ai dit, dans une position assise, sereine, des rois. Donc vraiment, c'est des belles énergies. Les cancers, vous n'avez que les reines. Donc regardez si vous n'avez pas un partenaire cancer, parce que vous feriez la paire. Alors, donc, voilà pour les énergies générales. Bon, et puisque l'énergie sentimentale est sortie avant, bah, on commence par les sentiments. Hein. Écoutez, les poissons, les dreamers. Ah, waouh, ok. Bah, écoutez. D'accord, ok. Ça aussi, ça me fait rire. Qu'on sorte des deniers dans la vie sentimentale, alors que là, c'est l'emplacement des professionnels. Attendez, je vais sortir là. Allez. Bon, ok. Ok, d'accord. Ah, bah, c'est... ça me fait penser au tirage que j'ai fait juste avant. Bref, c'est pas grave. Regardez peut-être la vidéo des Gémeaux si vous avez... voilà, vous ferez le parallèle. Alors, donc, dans votre vie sentimentale, parce que là, c'est le sentimental, on a pas mal de deniers. Alors... Avec le Faunabel, gros souci, c'est qu'il faut que je compte. Oui, je suis nulle, j'arrive pas bien à déterminer. Il y a, en fait, le problème du Faunabel, c'est qu'il n'y a pas le chiffre. Ça m'embête un petit peu. Peut-être que je devrais le rajouter, mais j'aime pas écrire sur les cartes, même si voilà, c'est une manière de s'approprier le jeu, j'aime pas trop. Alors, là déjà, poisson, vous avez tiré un poisson. Hein, bravo, magnifique. Alors, là, on a quoi? On a le page. Est-ce que c'est le page ou c'est le cavalier? Attendez, il faut vraiment que je vérifie. Il n'y a même pas de... non, c'est...
Pour moi, là, c'est le cavalier. Hein. Ouais, c'est le cavalier. Parce que là, je viens de sortir l'autre. Vous voyez, c'est toujours le souci avec le Faunabel. Dites-moi en commentaire si vous avez le Faunabel. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Pourquoi? Là, c'est le cavalier. Là, c'est le page. Alors que j'avais tendance à dire l'inverse. Ou alors, c'est l'énergie qui est différente. En fait, le cavalier de coupe, c'est le séducteur, celui qui en demande beaucoup. Alors que le page, c'est plutôt le rêveur, le naïf, pardon. Et là, j'ai vraiment l'impression que celui-là, il est en demande et celui-là, il est naïf. Donc, voyez, même si dans le dessin, c'est vrai que quand il y avait un gros plan, c'était souvent le page et quand il était en entier, c'était le cavalier. Là, j'ai un peu plus de doute. Hein. Là, moi, j'ai l'impression que là, vous avez tiré le cavalier de coupe, donc vraiment être dans la séduction avec les deux deniers. Alors, les deux deniers, j'ai l'impression que là, on est dans le 8, hein, parce que là, il y a quand même l'idée de travail. Attendez, je vais quand même vérifier. 2, 4, 6, 8. Ouais, voilà. 8, hein, là, il y a du boulot. Il y a du boulot et là, il galère. C'est la galère. Donc, c'est pour ça. On tire les deniers dans le sentimental, alors que c'est placé en professionnel. Bon, déjà, voilà. Hein. Alors, est-ce que c'est moi qui m'embrouille les pinceaux ou est-ce que c'est vous qui êtes un peu... un peu comme ça à tourner en rond, bref. Et en plus, lequel denier? Le denier qui nous parle du travail. Allez, allez, d'accord. Alors. Ok, bah écoutez, on va faire un. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, on a le 10 de denier. Oui, en même temps, ça se tient. Là, on a quand même une réunion familiale, hein, une harmonie familiale, 10 de denier. Hein, c'est. Ouais. Bon, ça se tient avec le cavalier de coupe et le 8 de denier. Il y a juste le 8 de denier qui fait un peu tache, entre guillemets, hein, dans votre tirage sentimental pour vous les poissons. En fait, voilà, vous êtes vraiment en demande d'harmonie amicale ou familiale. Là, c'est vous qui allez chercher ça. Hein. Vous allez chercher les fêtes, les... Bon, ça me fait penser à un poisson que je connais à chaque fois. Les fêtes, etc. Là, c'est vous qui êtes à l'initiative. Hein. Donc, du coup, ça vous demande, je pense, du travail dans le sens, ça vous demande de l'organisation. Au niveau de vos plannings, au niveau de... Alors, je suis désolée, j'ai des petits soucis au niveau de la caméra. Il faut vraiment que je sois vigilante. C'est à ça que serviront vos dons, d'ailleurs. Voilà, hein, si je peux placer ça. Voilà, si vous me faites des dons, je achèterai du meilleur matériel. Tout simplement. Alors, oui, alors. Donc, ça s'est arrêté, hein, je suis désolée. Je disais, au niveau de vos plannings, au niveau de votre emploi du temps... Vous êtes en demande de faire des activités et vous savez que c'est ça que vous voulez, hein, vous êtes totalement sûr. Mais d'un autre côté, il faut un peu ménager la chèvre et le chou. Hein, et là, c'est ça que veut me dire le 8 de denier. C'est que d'un côté, vous voulez pas trop dépenser, vous avez besoin d'économiser, etc. D'un autre côté, vous êtes vraiment en demande d'avoir de l'harmonie, de faire des fêtes, de séduire peut-être. Hein, vous êtes peut-être en train de... d'avoir des dates, etc. Hein, dans une espèce de... Voilà, une relation de séduction, hein, pour que ce soit séduire des amis, rencontrer de nouveaux collègues, voilà. Il y a beaucoup de situations comme ça. Et du coup, ça demande de sortir, etc. Mais d'un autre côté, vous êtes un peu ric-rac, ou alors vous n'avez pas envie de trop dépenser. Donc, c'est pour ça que le 8 de denier est là, maintenant j'ai enfin compris. C'est qu'il faut ménager la chèvre et le chou, il faut un peu travailler entre ses envies et ses réels besoins et ses réelles capacités. Là, je peux accentuer cette idée parce que là, on a le 8 de denier, d'accord, et là, on a le 4 de coupe. Hein, donc, voilà, les 4 et 4, 8, hein, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous suivez ma logique. Bref, on a dans l'aspect professionnel, attendez, là, on est dans l'aspect professionnel, minuterie, hop. Donc, dans l'aspect professionnel, je disais, on a là le 4 de coupe. Et quel 4 de coupe, hein? D'habitude, le 4 de coupe, en fait, celle-là, elle est spécifique. Hein? D'habitude, le 4 de coupe, c'est un peu une stabilité, un peu, on s'ennuie un petit peu. Là, c'est pas du tout pareil. Là, c'est la gueule de bois. Là, c'est en fait, on sort trop et on regrette un petit peu. Et là, vous êtes un peu là-dedans, là, les poissons, ce mois-ci. Mais c'est toujours à nuancer parce que là, l'une des seules arcanes majeures que vous avez, là, vous avez deux arcanes majeures, vous avez l'empereur, donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez votre vie en main. Et la deuxième arcane majeure, vous avez le soleil. Et quel soleil, hein? Le soleil qui est en plein dans votre troisième œil. Donc vous faites ça en pleine conscience. Vous avez besoin de vous connecter aux autres.
vous êtes des poissons, vous avez besoin de rêverie, de tout ce qui est de l'ordre. Alors, je ne veux pas dire que les poissons sont très fêtards parce que c'est pas toujours vrai. Ce qui est toujours vrai, enfin, ce que j'ai remarqué, hein, parce que voilà, l'astrologie, ça reste comme les tirages, hein. Il n'y a pas de vérité, c'est pas scientifique. Mais ce que j'ai remarqué chez les poissons que je connais, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, c'est que l'aspect matériel compte beaucoup moins que l'aspect. En fait, les poissons ont des besoins au-delà du matériel. En fait, les poissons, acheter un appartement, avoir une grosse voiture, ça les intéresse pas. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est pour du taureau, ça. ça, c'est pour les taureaux. Pour les poissons, c'est plus. Ouais, c'est entretenir de l'amitié, avoir plus de stimuler intellectuel, faire des choses, c'est vrai, tous ces besoins qui sont plus élevés que juste le besoin matériel, voilà. Là, vous êtes dans ce besoin-là. Et au niveau professionnel, peut-être pour ça que c'est un peu la gueule de bois, c'est peut-être que, et c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a ce 9 de denier ici, en gros, attention, parce que, ok, les besoins matériels, c'est, voilà, il faut pas que ça soit toute votre vie, mais il faut pas non plus, il y a deux extrêmes. Et là, au niveau professionnel, vous avez le 3 d'épée, donc la souffrance. Bon, au niveau professionnel, souffrance, j'ai pas à nuancer parce qu'il y a le soleil qui arrive juste derrière. J'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu de gueule de bois, c'est un peu difficile de tenir le rythme, même si ce que vous faites, ça vous plaît. Attention à la fatigue. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en harmonie, comme le 8 de denier, hein. Ce que vous faites, ça vous plaît, vous kiffez votre life, etc. Mais attention, économisez-vous de l'argent, mais aussi du temps et de l'énergie. Hein. Là, vous êtes, j'ai l'impression, un peu sur tous les fronts. Vous avez envie de partout, etc. Vous avez envie de faire plein de fêtes avec vos amis, vous avez envie d'être à fond dans votre travail, etc. Mais là, au niveau du travail, j'ai l'impression, certes, vous aimez ce que vous faites, là, c'est vraiment, vous kiffez de ouf. Mais pardon de parler comme une jeune. Pardon. Mais attention à la fatigue. Attention au surmenage. Là, vraiment, je le vois. Même si vous savez ce que vous faites, attention au surmenage. Voilà, c'est un peu le résumé de votre moi. Vous êtes un peu sur tous les fronts, mais ouais, il faut un peu se préserver, hein, les poissons. Voilà, est-ce qu'on va tirer un dernier petit message de Joe? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Joe? Pour les poissons, qu'est-ce que tu peux leur conseiller aux poissons, Joe, pour leur mois d'octobre? Ouf. Ok, arrête de te prendre la tête et déconnecte. Voilà. Voilà. Arrête de te prendre la tête. Exactement. Déconnecte un petit peu. Oui, là, vous avez besoin, vous, vos besoins. Là, vous avez quand même tiré plusieurs fois les deniers, plusieurs fois l'aspect très carré et matériel dans votre vie. Et ça vous. Vous avez des besoins au-delà. Hein. Vous avez besoin de retourner au soleil. Donc arrêtez de vous prendre la tête et déconnectez. Voilà. Je ne vais pas l'écrire parce que vous, c'est plutôt attention au surménage. Voilà. Donc j'espère que ce tirage t'a parlé. J'ai tout mis en barre de description si tu veux me contacter, etc. Voilà, n'hésite pas. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les poissons!